Bonjour Mihai Fuso. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview que j'ai désiré faire avec vous suite à la lecture du livre de Michel Labrecque qui s'intitule « La Moldavie dans l'œil du cyclone russe » pour lequel vous avez apporté une contribution importante. Alors Mihai Fuso, vous êtes un homme de théâtre. Michel Labrecque en parle dans son livre. Vous avez fait des études de théâtre à Moscou. Et vous avez monté ici à Chisinau en attendant Godot de Beckett, Rhinocéros de Ionesco, et vous avez été le premier à faire jouer cette pièce en roumain, car Ionesco en l'avait. En roumain pendant le régime socialiste et soviétique. Voilà. La pièce était interdite en Roumanie. Pourquoi avoir commencé donc sous le régime communiste par Beckett, par En attendant Godot? Ben vous savez, déjà quand j'étais à Moscou, j'étais un peu francophone. Pour moi, la langue française et la culture française a été très importante comme alternative à la langue et à la culture russe soviétique. C'était une alternative dite des deux styles d'écriture, le style de pratiquer le théâtre, parce que quand même, je fais mes études dans les années 80, et dans les années 80, la France était encore bien, je veux dire, c'était encore un pays qui était libre, qui n'est... Bon, j'admire toujours la France, mais aujourd'hui c'est plus difficile. Et donc, comme alternative à la langue russe, à la culture russe, à Moscou, qui était une ville assez glauque, assez, avec son architecture stalinienne, etc. Donc, la langue, la culture russe, et j'ai fait connaissance avec Ionesco, avec Beckett, avec les existentialistes que j'adorais, et Camus, et Sartre, et d'autres. Le théâtre existentialiste. Et donc voilà. Donc je me suis retrouvé dans ce théâtre et j'ai proposé à mes collègues. Voilà. Bien sûr, je communiquais avec d'autres personnes, soit écrivains, soit hommes de théâtre, qui, bien sûr, c'est eux qui m'ont fait découvrir tout ça. Donc, voilà, ça explique un peu que je voulais créer quelque chose alternatif à, parce que j'ai jamais aimé le système soviétique. Voilà. Plus tard, vous avez créé une pièce sur le kidnapping des femmes moldaves soumises à la prostitution. Ouais, c'est une autre étape importante dans ma vie. Ouais, le théâtre documentaire. Le théâtre engagé, on peut dire. Que j'ai connu, oui, bon, engagé, mais documentaire. Ça veut dire que tu as comme base pour un spectacle, pas une pièce de théâtre créée par un dramaturge. Une œuvre d'art en soi. Tu crées le texte, tu fais des interviews sur le sujet qui t'intéresse et que tu bricoles, tu construis comme un puzzle. Ça s'appelle théâtre documentaire. Ça peut être basé sur des interviews, ça peut être basé sur des documents écrits, tout. Mais ce n'est pas une base littéraire, mais documentaire. Mais c'est un théâtre engagé puisque c'est des sujets forts. Tabou. Oui. Et encore, j'ai connu le théâtre documentaire aussi grâce à un Français, toujours la France, un grand ami à moi, Alain Molo, qui était un homme de théâtre fantastique, ouvert vers la culture de l'Europe de l'Est. Il a dirigé la compagnie théâtrale La Jacquerie. Donc c'était quelqu'un à travers qui j'ai connu le théâtre documentaire, et voilà, et j'ai pratiqué ici. Et par rapport au sujet, dans les années, vers la fin des années 90, début des années 2000,
la traite des femmes, c'était quelque chose, c'était des proportions. Donc beaucoup de femmes étaient, voilà, comment dire, arnaquées, volées, manipulées, tout ce que vous voulez, pour arriver dans les griffes de la mafia, surtout dans les Balkans, l'ex-Yougoslavie, parce que c'est quand même, quand un pays est en décomposition, il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup d'argent, vous voyez, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de loi, il y a toujours la mafia qui amène des femmes pour les militaires. Et après, et est-ce que cette pièce a eu... a eu un grand succès. Oui, oui. Elle a été traduite en français, d'ailleurs. Elle a été publiée en France. Et jouée en France. Et elle a été jouée en France, mise en scène en France par plusieurs compagnies. Même j'étais à Avignon et j'ai vu un spectacle sur notre pièce. J'ai dit notre parce que je n'étais pas le seul auteur. J'étais ceux qui a initié le projet, mais j'ai travaillé avec Nicoleta Istinenko et Dumitru Crudu, qui sont aujourd'hui des auteurs importants de théâtre. Bon, et voilà, cette pièce a eu un grand succès. Nous-mêmes, on a joué peut-être 200 fois en Moldavie, dans les petites villes, vraiment pour faire une prévention, éducation de la société. Elle a été traduite en russe. Et notre compagnie, parce qu'en Moldavie, on est bilingue, donc la compagnie qui jouait en roumain a joué aussi en russe. On a fait des grandes tournées en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Et après, on a joué en Europe, on a joué en France, en Allemagne, en Suisse. Donc c'était vraiment une pièce qui a laissé une trace importante en tant que, en matière de thématique, mais aussi comme idée de théâtre documentaire. C'était le premier théâtre documentaire en Europe de l'Est. Donc voilà, je suis fier pour cette démarche et j'ai continué encore quelques années, jusqu'il y a peut-être quelques années, à créer d'autres pièces de théâtre documentaire sur d'autres sujets tabous. Par exemple, un autre thème, à un moment donné, corps d'enfant, c'est sur la pédophilie. Ah. Parce que la Moldavie est devenue à un moment donné aussi un terrain, surtout pour les étrangers, pour les gens riches de l'Europe, disons aussi des États-Unis, et pas que, venir ici à consommer des enfants. Bon, ça a été démantelé à un moment donné. Mais c'est une pièce très courageuse. Elle a été traduite d'ailleurs en français, n'a pas été encore publiée, mais elle a été présentée en lecture dans un festival à Bordeaux. Mais j'ai ce texte en français, c'est vraiment très très fort. Documentaire. Donc on a eu des sources, des interviews, on est allé dans les prisons, avec ma collègue avec qui j'ai créé ce texte, et dans les prisons pour rencontrer les pédophiles qui étaient enfermés. Ils nous ont offert des interviews. Ici en Moldavie? Oui, en Moldavie, parce qu'il était... Voilà. Et après, on a eu des documents vidéo offerts par la police. On a eu déchiffrage des dialogues sur Skype entre le pédophile et l'enfant, qui a donné des scènes exceptionnelles. Voilà. Aussi, un autre sujet, c'est l'amour dans les prisons. Parce que comme on est allé dans les prisons faire des interviews, à un moment donné, on se dit, mais comment les gens vivent ce sentiment? Ou le manque de ce sentiment important, l'amour. Et donc, on est allé dans 3 prisons, hommes, femmes et adolescents. Et c'était la pièce de théâtre documentaire basée sur des interviews, Shakespeare pour Anne. Et aussi, on a fait un autre texte sur
violence domestique, mais on aime aussi un texte assez important, en Moldavie surtout, parce que la violence domestique, c'est un sujet aussi tabou, mais dont beaucoup de femmes surtout ont beaucoup souffert. Et peut-être un texte historique qui n'a pas été monté aussi parce que c'est un sujet chaud, c'est le sujet de la réunification de la Bessarabie, là où on est maintenant, République Moldave, avec la Roumanie en 1918. Ça, c'est un sujet qui n'est pas regardé objectivement ni par les Russes, qui disent que ce n'était pas une réunification, c'était une occupation, ni par les Roumains, qui nient parfois comment dire, la présence de l'armée sur le territoire. Donc, voyez-vous, et on a fait une pièce basée sur des sources historiques, des documents historiques. Ça s'appelle l'anatomie de l'unification. Voilà. Ça, c'est un peu les cinq pièces de théâtre ont été publiées il y a un an. Finalement, deux volumes de tas de documentaires que j'ai réussi à faire apparaître ici dans une librairie. Voilà. Donc ça, c'est un peu... Donc on espère que ce sera bientôt publié en traduction française. Peut-être pas toutes les pièces, mais il y a des pièces qui présentent intérêt, notamment Corps d'enfant. Venons-en au livre de Michel Labrec. Il fait référence au fait que vous avez partagé votre vie entre l'URSS et la Moldavie, ce qui vous permet sans doute de mieux comprendre la situation de la Moldavie partagée entre l'influence russe et l'influence européenne. En 2017, 49% des Moldaves étaient favorables à l'Union Eurasiatique et 45% en faveur de l'Union Européenne. Cette situation, vous paraît-elle avoir changé avec l'intervention russe en Ukraine et la menace qu'elle fait peser sur la Moldavie? Je ne me suis jamais intéressé au sondage. Je vais dire une phrase, peut-être vous n'allez pas aimer ou la France n'est pas dans la situation de la comprendre. Je parlais à la campagne avec ma grand-mère à ce sujet-là, par exemple, les Russes, les Soviétiques, la Roumanie, etc. J'étais encore étudiant, j'étais assez jeune, mais bien sûr, je voyais la situation, je comprenais. Et ma grand-mère me disait... Oh, mon cher, tu penses que quelqu'un va nous demander? Parce qu'elle a vécu déjà 1918, elle a vécu aussi 1940, elle a vécu 1946, la fin de la guerre et la famine. Elle a vécu des moments historiques quand les pouvoirs et le pouvoir décidaient. Et les gens... Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment très peu des nations capables de vivre dans une société démocratique. Pour moi, la démocratie... Voilà, quand on dit aujourd'hui, voilà, on vit dans une démocratie. C'est faux. On vit dans une société avec des libertés, avec le droit d'élection, avec la liberté d'expression. Mais la démocratie, c'est un état avancé d'une société où les gens sont éduqués pour comprendre le fonctionnement des lois, pour comprendre vraiment les valeurs.
C'est pour cela que pour moi, par exemple, l'Amérique, ce n'est pas une société démocratique, vu leur manière d'élection et la manipulation atroce. Mais je ne sais pas. Bon, la France a une démocratie assez ancienne. Je ne sais pas, peut-être la meilleure démocratie aujourd'hui, c'est dans les pays nordiques. Peut-être en Europe centrale, occidentale. Peut-être c'est la Suisse, où chaque fois, quand il y a une question, c'est les gens qui... Il y a un référendum. On demande à chacun. Donc, la démocratie, on va défendre la démocratie. Pour moi, c'est une manipulation. C'est le fait que les gens ne comprennent pas c'est quoi une démocratie. Parfois, avec la chute de l'Union soviétique, toute l'Europe de l'Est et surtout les ex-pays soviétiques ont plongé dans un chaos total où chacun disait, au nom de la démocratie, tu pouvais être cassé le nez, volé, arnaqué, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est la liberté. Tu veux m'imposer le stalinisme. Chaque fois qu'il y avait une critique, on disait non, aujourd'hui ce n'est pas le communisme. Un chaos total. Et c'est pour cela, pour revenir à votre question, sur l'état, je pense qu'un petit pays s'adapte, doit savoir s'adapter. Et encore, les Suisses, c'est un petit pays, mais c'est une grande puissance économique et financière. Donc la situation autour d'eux, géopolitique, je sais pas quoi, a contribué au fait que les Suisses ont pu rester comme ça. Et encore, ils étaient composés des Français et des Allemands. Donc et dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale, les Français et les Allemands étaient des ennemis. Donc tu ne pouvais pas. Donc ils étaient obligés, s'ils voulaient garder le pays composé des Allemands et des Français, un petit peu grand, des Italiens, pour ne pas participer, ni là ni là. Donc il y avait une conjoncture. Mais sinon, les pays, même des pays Première Guerre mondiale, comme l'Italie, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, ils ont choisi la partie, parce qu'ils ne se sont pas engagés tout de suite dans la guerre. C'était les grandes puissances, les puissances centrales, et puissances, je veux dire, la Russie, la Première Guerre mondiale. Mais les autres pays ont été obligés à... Ils étaient pressés par les grands pouvoirs. Et ceux qui mettaient plus de pression, ou qui avaient plus de possibilités de chantager la société, de manipuler, voilà. Donc, si la nécessité, la grande nécessité de la géopolitique est favorable à la réunification avec la Roumanie, avec l'Europe, avec l'OTAN, la société va être préparée pour cela. Et le contraire, si l'Europe, si l'Amérique est faible, disons, si c'est affaibli, tout de suite la Russie monte et tout de suite la société va décider. Vous voyez, parce que les petits pays, c'est des pays qui se sont adaptés toujours. D'accord. Au moment de l'invasion russe en Ukraine, on vous a proposé, dont Michel Labrecque, de vous accueillir à l'étranger, dans la mesure où l'on craignait que cette offensive se prolonge sur la Moldavie. Et à ce moment-là, vous avez fait une réponse à la Zelensky, je dirais. C'est-à-dire que vous avez déclaré que vous restiez en Moldavie pour deux raisons. La première, c'est que vous connaissez bien la Russie et vous ne pensez pas que l'entreprise de domination impériale promue par Poutine va durer longtemps. Vous pensez qu'il est possible que la Russie perde cette guerre et que Poutine perde son pouvoir bientôt ? Oui, il y avait deux raisons. Déjà, puisque j'ai vécu dans l'Union soviétique, et
Oui. Parce que j'ai vécu dans l'Union soviétique, je suis allé faire mes études. Bon, Moldavie était aussi l'Union soviétique. Je n'ai jamais vécu sous Staline, mais j'ai vécu la période quand tu ne pouvais pas faire des blagues sur le régime soviétique si tu n'étais pas en face de quelqu'un, un ami à toi. Donc, je m'en souviens, je marchais dans la rue. Et, bon, je faisais des blagues sur le système soviétique, sur, je sais pas, et quelqu'un me dit, ah, tais-toi tout de suite, tu ne peux pas parler comme ça dans la rue, c'est dangereux. Ou par exemple, si on était dans un hôtel, on savait que dans la, comment ça s'appelle, la prise, la borne pour l'électricité, La prise. On faisait tout de suite une blague, donc on prenait le thé, on disait, on fait quoi? On disait, oui, monsieur le colonel, vous êtes là? Donc on était entouré des... On savait qu'il y a la possibilité d'être comment dire, pas espionné, mais par le KGB. Donc j'ai vécu cette période, mais après, c'était la libération... Déjà, quand je suis parti à Moscou en 80, déjà le régime soviétique était assez libéral. En tout cas, à Moscou. Pas dans les ex-républiques. Parce que vous savez, quand il y a le cyclone, pas un cyclone, un typhon. Vous reprenez le titre de la brèche, ouais, le cyclone. Ouais. Non, je veux dire, au centre, c'est calme. Oui. Donc, quelque part, la perestroïka, la chute de l'Union soviétique a commencé dans l'épicentre. Donc, à Moscou, tu pouvais faire des choses assez libres. Par exemple, le théâtre de Beckett, de Ionesco, le théâtre existentialiste, le théâtre absurde. À Moscou, on pouvait le faire. Mais quand on est rentré en Moldavie... Ici, les gens étaient beaucoup plus peureux, étaient moins préparés aux idées de changement. Donc, quelque part, tu sais comment négocier avec un régime si tu ne veux pas la révolution immédiate. Si tu acceptes de faire un théâtre subversif avec un langage double. Vous voyez, parce qu'on a toujours les régimes, les théâtres en Roumanie aussi, il y avait un langage double de théâtre dans toute l'Europe de l'Est. On appelait ça, vous connaissez, Ésope, le créateur des fables. La fontaine de la Grèce antique, c'était Ésope. Et voilà, le langage ésopique, double. Donc je me suis dit... Si les Russes arrivent, ben de toute façon, la culture, l'art, l'éducation, si vous voulez, serait le front où nous devons résister. Si on est pris politiquement, si on est pris idéologiquement, si on est pris militairement, on doit rester pour continuer à... Parce que je suis sûr que si Poutine arrive, déjà la Moldavie n'est pas l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est un pays qui a des ressources humaines, militaires, etc. La Moldavie n'a presque pas d'armée. Donc la Moldavie elle-même n'est pas capable de s'engager dans une guerre avec les Russes. Donc si l'Ukraine tombe, moi, je pense que peut-être on tombe automatiquement. Il y aura tout de suite un changement de gouvernement. Et encore, ça dépend, parce que ça peut être l'intervention de l'OTAN, de la Roumanie, pour nous protéger. Ça dépend du gouvernement. Mais si les Russes arrivent ici et prennent le pouvoir et s'installent, ce ne serait pas une Russie stalinienne. Ils devront prouver... que le régime est meilleur.
Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Donc, il y aura de la liberté d'expression. C'est ce que je pense. Bien sûr, en gardant les limites. Mais si tu es capable, si tu es assez intelligent, assez rusé, assez, vous voyez, pour passer des messages à travers un langage double dans l'art, sur, voilà. L'art a toujours d'ailleurs utilisé, elle a la possibilité de placer des valeurs là où tu ne t'attends pas. À travers des textes classiques, etc. C'est pour cela que je reste. Et parce que je pense que ben, si tout le monde part, mais pourquoi on doit partir de son pays? Pourquoi? Par peur? Par quoi? Par difficulté économique? Oui, bien sûr. Si tu es quelqu'un qui tu ne peux pas nourrir ta famille dans ton pays, finalement, tu quittes ton pays et tu te sauves. Tu sauves ta famille, comme il y a beaucoup de gens de l'Europe de l'Est qui ont parti ailleurs. Ou si tu ne peux pas t'exprimer dans ton propre pays, si tu es un artiste, si tu es un chercheur, et tu ne peux pas t'exprimer, bah, tu quittes. Mais si tu sais que ta présence ici, elle est importante, que tu peux transformer le théâtre dans un endroit où tu peux lutter pour des valeurs, des vraies valeurs humaines, il faut que tu restes et tu fasses ton travail, pour être honnête avec toi-même. Alors la deuxième raison pour laquelle vous avez fait cette réponse à la Zelensky, dont on parlait tout à l'heure, c'est que vous y avez fait référence au début de notre entretien. Vous avez reçu, notamment de votre grand-mère, mais également des gens qui vous entouraient lorsque vous étiez enfant, des bribes de mémoire sur la famine volontaire déclenchée par les soviétiques après la Deuxième Guerre mondiale. En France, on n'a jamais entendu parler de cela. Alors, des déportations, oui, mais de cette famine volontaire organisée par les soviétiques, est-ce que vous vous souvenez de... Non, moi, bien sûr, ça, la de ce qu'on vous disait. En 1946, bon, déjà, les Ukrainiens, les pauvres, ils ont eu le Holodomor dans les années 30. Bon, ça, c'est connu, 6 millions de morts. La famine, donc, elle était organisée pour plusieurs raisons. Déjà, il fallait pousser les agriculteurs, parce qu'en Moldavie, après la guerre, comme la Moldavie n'a fait pas partie de l'Union soviétique avant la Deuxième Guerre mondiale, donc il fallait pousser les gens à accepter qu'ils passent aux fermes collectives. Kolkhoz. Donc, comme ça, on leur enlevait tout. Voilà, il était obligé d'aller s'il voulait manger. Donc. Et deuxième, la Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique, je dirais, avait besoin de la nourriture. Je veux dire, il prenait ici et il l'amenait dans des régions, voilà, de la Russie proprement dite. Donc il y avait une raison idéologique, une raison économique. Donc, voilà, c'est comme les déportations. C'était pas que pour punir, c'était aussi pour amener des esclaves pour qu'ils travaillent gratuitement. Donc, ils ont eu toujours cette double pensée économique et idéologique. Et cette famine provoquée a fait de nombreuses victimes? Oh, ouais. De nombreuses victimes, et d'ailleurs aussi on a aujourd'hui dans deux théâtres, on a des pièces de théâtre documentaires, pas créées par moi mais par ma collègue et par une autre compagnie, sur la famine et sur le cannibalisme, parce que ça a amené à des cas de cannibalisme. Oui, c'est terrible. C'est terrible, les gens mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, des plantes, des glands de chêne, ils faisaient de la farine, des glands, à partir des glands, terrible, des chaussures, parce que c'est la peau, c'est le cuir, ouais.
de cuir. Oui. Oui, j'ai reçu des histoires de la part, parce que moi je suis, mon père est né en Bessarabie, je veux dire sur ici, mais ma mère est née en Transnistrie. Et ma grand-mère transnistrienne, elle a fait partie de l'Union soviétique avant la Deuxième Guerre mondiale, elle a subi aussi le Holodomor, parce que la Transnistrie faisait partie de l'Ukraine. Elle me racontait, et une grand-mère et l'autre grand-mère, elle me racontait des histoires comme ils trouvaient un peu de farine, ou elle faisait de la farine à partir des glands, faisait des petites tourtes et allait vendre ou échanger pour d'autres produits. Ou une des grand-mères a amené des tapis, tout ce qu'elle avait à la maison, des vêtements, tout, par contre pour acheter un peu de farine, de maïs ou d'autres choses pour nourrir la famille. Ouais. Enfin, la dernière question que je souhaite vous poser revient à la situation actuelle en Moldavie. Vous avez dit à propos de l'accès au pouvoir de Maia Sandu, que c'était une preuve de maturité du peuple moldave que de l'avoir porté au pouvoir. Mmh. Les conséquences de la guerre en Ukraine, avec notamment les difficultés économiques rencontrées par l'actuel gouvernement, ne vous paraissent-elles pas préjudiciables au projet de réforme entamé par Maia Sandu ici en Moldavie ? Non, pas du tout. Déjà, bien sûr que l'opposition, elle nie ou elle fait semblant de ne pas accepter ou voir qu'il y a la guerre. C'est pas possible. On est gens qui comprend très bien. Pendant une guerre, il y a toujours des difficultés. Tu ne peux pas vivre pendant une guerre comme si rien ne se passe. Même en Russie aujourd'hui, il y a une pénurie de quelque chose, de l'essence, parce que toute l'essence va à la guerre, parce qu'il y a des incendies, la nourriture, etc., etc. Donc être à côté de l'Ukraine et subir sur toi-même, sur ta peau, les conséquences de la guerre. Donc je pense que c'est un discours faux de l'opposition pro-russe, poutinienne, qui essaie de culpabiliser Maia Sandu pour tout. Ça, c'est vraiment faux. Deuxième question, il essaie de déclarer que Maia Sandu nous pousse dans une guerre. D'où il sort ce discours? Vraiment, je pense que c'est des gens qui ne sont pas vraiment en bonne relation avec leur cervelle. Par contre, elle nous protège. Elle a fait tout pour ne pas être touchée par la guerre. Parce que si aujourd'hui, comme veulent, comme ils espèrent, comme ils rêvent, cette opposition pro-poutinienne, si on était à côté de Poutine, voilà, c'est ça, être à côté de la paix pour eux. Je vous assure, ici, ça serait l'enfer. Donc, je pense que Maia Sandu, pourquoi c'est la maturité? Mais déjà, dans un pays, comme je disais, que j'ai créé des spectacles sur une pièce de théâtre sur la violence domestique. La Moldavie, c'est un pays assez patriarcal. Donc, amener une femme au pouvoir, moi, je pense que c'est une maturité. Donc, même les hommes ont voté pour une femme. Parce qu'elle avait les meilleures idées, elle a un caractère très fort, vous voyez. Et dans la politique, aujourd'hui, c'est très important d'avoir du caractère. Oui, donc pour moi, Maia Sandu, déjà, elle a été élue, c'est un signe de maturité. Et elle-même, je pense, elle-même, peut-être son parti n'est pas génial. Peut-être qu'il y a dans son parti aussi des ministres qui ne sont pas un bon niveau, des connaissances, etc. A réussi elle-même à éradiquer la corruption? Non. Mais est-ce que c'est sa faute à elle? Non.
c'est aussi la société qui n'accepte pas, qui protège les corrompus, qui continue à donner des bribes ou à pratiquer l'influence politique, à placer des responsables dans des ministères, dans l'administration, en utilisant en tirant les ficelles politiques. C'est pas que ça, ça faute à elle. Donc en ce qui concerne Maya Sandu, je suis toujours, je la soutiens, je crois en elle. Donc vous n'êtes pas inquiet sur le résultat des prochaines élections en 2024 et 2025? Mais je ne vois pas pour l'instant un autre candidat. Mais objectivement, je ne vois pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un malade, vous voyez, aveuglé. Non, s'il y a un autre meilleur, ben, je vais voter pour un autre. Mais bien sûr, quelqu'un qui affirme les valeurs pro-européennes, les droits de l'homme, vous voyez, quand même, les valeurs que je respecte, je pense que... Moi, d'ailleurs, je crois en Europe. Moi, je n'aime pas le fait que, et si c'est compliqué, que l'Amérique veut à tout prix garder l'Europe de son côté, et, mais je dirais mettre les griffes sur l'Europe. Moi, je pense que l'Europe doit devenir un joueur indépendant et vraiment amener sur la planète un modèle de la vraie démocratie, de l'amitié entre les nations. C'est vraiment un modèle. Vous voyez, l'Europe, c'est une histoire de guerre, de révolution, de famine, de tuerie. C'est l'Europe, c'est l'endroit où on connaît qu'est-ce que les risques, à quoi peut amener quand tu risques avec les idéologies, avec la guerre, etc. L'Amérique, elle n'a jamais eu de guerre sur son territoire. Elle a mené des guerres sur les territoires des autres. Donc, ce n'est pas une nation à qui nous, les Européens, devons prendre une leçon. Nous devons nous baser sur notre histoire, sur notre expérience, et à être confiants dans les idées des pères de l'idée de l'Union Européenne. Mikhaïl Fousou, merci pour cette interview. Merci à vous.